Salut à tous, c'est Alizéa. On se retrouve pour la suite de l'aventure Cyberpunk 2077. Nous sommes enfin arrivés chez nous. Voilà, l'épisode précédent, notre cher collègue nous a déposé en bas de chez nous. Et nous voici enfin arrivés dans notre appartement. Comme vous pouvez le voir, un petit appartement sympathique, une petite penderie ici. Quelques bibelots, livres et autres à cet endroit-là. Un petit coin salon. Un petit coin chambre et un coin salle de bain et puis un petit côté bureau pour surfer. On va faire le petit tour et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai découvert en explorant un petit peu cette pièce. Alors donc nous avons des vêtements et ces vêtements là j'ai découvert qu'ils avaient des statistiques. Alors on va aller voir au niveau de l'inventaire et j'ai vu qu'on pouvait tout simplement s'équiper avec différents objets et ces objets ont tout simplement des caractéristiques, des états courants, épiques, etc., etc. Donc on va faire un petit tour là-dessus. Comme vous pouvez le voir, bon, j'ai mis une casquette, de base on n'a rien, mais on peut mettre un chapeau, voilà, pour faire côté un peu mexicain, on va dire, côté Caraïbes, tout ça. Voilà, avec des points d'armure liés à l'équipement et des fois tout simplement des petits bonus. Donc en termes d'équipement, voilà, on peut jouer sur le côté design. Au niveau du haut corps, bah voilà, j'avais le choix entre un blouson, une veste et du coup un petit truc comme ça. Donc voilà, on peut pas tourner pour. Enfin, j'ai pas trouvé comment. Ah si, on peut. D'accord. Ok, j'avais pas trouvé. Voilà, donc on peut faire bouger notre petit bonhomme, voilà, pour voir un peu quelle tête ça donne. Et on peut voir ici qu'on a des points d'armure aussi à récupérer dessus. Et celui-ci est légèrement mieux. Là, c'est pareil. Là, il est 9-9. Pourquoi l'autre, il a 9-9, c'est pareil. Pourquoi il y a une flèche? Je comprends pas. Du coup, on va me laisser ce blouson. Derrière, on a la possibilité de mettre tout ce qui est objet sur le visage, masque. Première vue, ça a l'air d'être un masque. Ici, on a des t-shirts, voilà, qu'on peut décider. Un petit débardeur, un petit t-shirt préféré, un vieux débardeur. Et donc là, on a un niveau de rareté peu courant. Et donc du coup, pareil avec des points de statistiques. Donc j'ai trouvé que le petit haut à manches longues était plus intéressant. En termes de rendu design que le petit ici débardeur sportif, hein, je trouve que ça allait mieux avec la tenue. Donc maintenant, est-ce que vous êtes team statistique pure et avantage de l'équipement, ou est-ce que vous êtes plutôt team design et style? Ça, je ne sais pas, mais le choix va être difficile, je pense, à certains moments, entre des équipements complètement dégueulasses qui ne vont pas avec l'ensemble du reste des vêtements, ou alors des statistiques un peu moins faibles, mais une classe internationale. Derrière, pantalon, pareil, même chose, j'ai un short, voilà, un short qui m'apporte 5,9 points d'armure, qui est un short, bien entendu, par rapport à un pantalon qui, lui, couvre plus de peau, mais a moins, enfin là, il a autant d'armure, mais voilà, celui-ci a moins d'armure. 3,9, autant vous dire que je ne le mettrai pas et je vais garder ce petit pantalon noir. Donc short forcément, moins d'armure. Ah, on a un pantalon à 5,9, je l'avais pas vu celui-ci. Petit pantalon à 5,9, très bien. Et on a la possibilité aussi démonter des vêtements. Donc là du coup, en l'occurrence, on va démonter celui-ci. On permet de récupérer des objets, des composants qui vont nous servir à crafter derrière. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc voilà, puis au niveau des bottes, pareil, j'avais des baskets ou des bottes nomades, donc j'ai laissé les bottes, ça allait mieux que... Je crois que les sneakers sont un peu... baskets sont un peu plus stylés, mais voilà, je me suis dit, les bottes, ça fait pas trop moche, ça passe. Voilà, et donc, mon personnage, il a ce style-là. Derrière, nous avons des profils, différents profils, avec les armes qu'on souhaite utiliser, mettre en place.
les différents profils. Là, j'ai pris voilà, trois profils. Un gun standard, un avec le DB4 Igla peu courant avec un peu plus de DPS, donc fusil à canon, à double canon. Et puis un fusil d'assaut ici avec un peu moins de DPS. Mais je pense qu'il a une attaque par seconde de 6,38, que lui il a 0,83 et lui a 3,43. Donc forcément le DPS diminue. Mais ici on a moins de comment dire de vitesse de vitesse d'attaque. Et après voilà pour ce qui est de l'inventaire. J'ai vu qu'on avait un sac aussi avec pas mal de petites choses à gauche à droite. Voilà, enfin, des objets qu'on récupère. C'est pour ça que ça va être, je pense, très intéressant de se balader pour aller récupérer des objets un peu à gauche à droite. Ça va permettre de tout simplement les décomposer et de récupérer des composants ici d'objets communs, d'objets peu courants, d'objets rares, d'améliorations rares, d'améliorations épiques, de composants épiques et légendaires. Donc on a quatre niveaux ici de rareté, commun et peu courant, rare, épique et légendaire. Puis derrière, on a des composants de piratage aussi, peu courant, rare, légendaire et épique. Donc en fonction de où vous allez vous balader, de qui vous tuez, vous allez pouvoir récupérer des objets dans les endroits où vous allez vous balader. Et ça sert à quoi? Et bien tout simplement à la fabrication. Vous allez avoir la possibilité d'augmenter votre niveau de fabrication et d'accéder à certaines armes. Par exemple, cette arme-là, cette mitraillette cinétique, nécessite voilà, un certain nombre de compos pour la fabriquer. C'est pareil pour le D5 Copperhead, pour l'Unity ou le Lexington. Voilà, on a différentes armes. On peut crafter des grenades, on peut crafter des rebound kits qui nous permettent de récupérer de la vie. On peut aussi crafter des munitions. Puis après, ben voilà, en fonction de ce qu'on, de comment on avance, voilà, je peux aller crafter potentiellement ce fusil sniper ou le DB4 Igla que j'ai déjà. Donc voilà pour ce qui est du crafting. Hein, je pense qu'il y a des plans ou des manières de récupérer ces objets-là qui vont arriver par la suite. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc voilà, des matériels, piratage, des accessoires pour customiser. Moi, ça me fait un peu penser à, comment dire, à The Division pour le moment, un peu dans la gestion des équipements, etc. Je trouve ça assez sympa. Qu'est-ce qu'on a derrière? La carte. J'ai vu ça aussi. On a une carte qui est énorme, découpée en plusieurs sections. Donc là où nous sommes pour l'instant, c'est Watson. Voilà, gang principaux Maelstrom. On a ici Westbrook. Je pense que c'est là. Allez se coucher. Voilà, donc c'est là où il y a ma mission. Donc c'est là où je suis. À Watson. Derrière, on a Westbrook. On a le centre-ville. On a Haywood ici. On a Santo Domingo et Pacifica. Les zones de différentes zones pour l'instant de Night City. On a une zone ici qui n'est pas encore disponible. Peut-être qu'à l'avenir elle le sera. Tout comme cette zone-là ici, là. Et puis on a cette zone-là qui a pas l'air très très peuplée. Donc potentiellement, peut-être qu'on y accédera dans de futurs DLC. Mais on a déjà cette ville avec une, deux, trois, quatre, cinq zones différentes à parcourir et à découvrir. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ah oui, l'arbre de compétences et les statistiques du personnage. Donc, les statistiques, c'est ce qu'on avait au tout début quand on a customisé le personnage. Par défaut, on avait 3 points et puis on a placé ça où on pouvait, où on voulait. Et du coup, à chaque fois qu'on va prendre des niveaux, donc les points d'XP sont ici. On va pouvoir rajouter des points. Et derrière, en fait, on va avoir des points d'avantage qui vont nous permettre d'améliorer des caractéristiques spécifiques aux capacités. Donc là, par exemple, on peut, avec des points, augmenter les dégâts des fusils et de mitraillettes. On peut augmenter les chances d'infliger des coups critiques avec un fusil ou une mitraillette de 10% lorsque vous tirez depuis derrière un abri.
Voilà, on a augmente les dégâts critiques des fusils et des mitraillettes. Bref, on a des arbres de compétences qui sont liés à l'assaut, ici liés aux armes de poing. Donc là, c'est augmente les dégâts des pistolets et revolvers de 3%. On a augmente les chances d'infliger un coup critique de 10% avec les pistolets et revolvers entièrement modifiés. Et on a aussi donc des bonus pour tout ce qui est lame, réduit la consommation d'occurrence, augmente les dégâts de vos attaques défensives avec la lame de 200%. Et ça, on a ça pour chaque statistique. Donc la contribution, on a trois sous-catégories. Les capacités techniques, on a deux sous-catégories. Le sang-froid, on a deux catégories. Et l'intelligence, on a deux catégories. Donc là, on peut voir ici que en arme de poing, j'ai amélioré l'arme de poing. Et je me suis mis ici. J'ai comment dire, armes de poing, je suis à deux. Parce que voilà, j'ai fait quelques gunfights, etc. J'ai mis des balles en pleine tête, j'ai tué des adversaires, donc j'ai pris un peu de galon. Et sinon, j'ai ici amélioré la fabrication. Voilà, j'ai augmenté le nombre de composants obtenus grâce au démontage. Donc le démontage, c'est la fameuse transformation d'objets qu'on peut récupérer sur la carte et qui va se transformer en compos qui va nous permettre de crafter ultérieurement. Donc on a un arbre de compétences qui est extrêmement complexe. Confère 10% de chance d'améliorer un objet gratuitement. Voilà, donc on a pas mal de petites choses en ingénierie, permet de voir le rayon d'explosion des grenades. Donc plutôt sympa, vous immunise contre tous les effets de vos propres grenades. Donc c'est très bien. Pas mal de choses. Je ne sais pas si on va pouvoir tout maximiser. Est-ce qu'on va pouvoir débloquer tous les arbres de tout? J'en ai aucune idée parce que si c'est le cas, rien que là-dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 3 et 2, 5, 6, 7, 8. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Et potentiellement, on pourra aller jusque-là. 30, il faut, si on prend un point d'avantage par niveau, pour remplir athlétisme, il faudra être au niveau 34 à peu près. Voilà, 33, 34, pour avoir tout cet arbre 100%, et sachant qu'il y a encore beaucoup ici, qu'il y en a encore beaucoup ici. On a athlétisme, on a un petit peu monté. Anéantissement ici, on n'a pas beaucoup monté. Mais voilà, on a un arbre de compétences qui est extrêmement garni, j'allais dire complexe, mais non, c'est garni. Et du coup, à voir ce qui est intéressant. Donc, je pense qu'il y a des choix qui vont être à prendre à un moment donné. Je ne sais pas, parce que je vois par exemple ici, moi je me suis parti sur du crafting. Est-ce que, ne serait-ce que pour l'intelligence par exemple, est-ce que ça vaut le coup de débloquer ce genre de capacité? Est-ce que je vais en avoir besoin dans ma mission juste après? Je ne sais pas. Donc, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Je ne sais pas si on peut retirer des. Est-ce qu'on peut le. Non, on peut pas la retirer. À partir du moment où c'est positionné, on peut pas le retirer. Donc, à voir. En tout cas, moi, je me suis dit que j'allais partir sur le côté craft pour récupérer des objets, que ce soit des vêtements ou autres, ou des consommables, que je puisse crafter, comme par exemple un Max Doc ici qui restaure 40%, qui est un objet peu courant. Je me dis que voilà, je vais essayer de développer ce côté un peu crafter, récupérer des pièces un peu partout et tout simplement m'équiper comme ça. Donc voilà, on a aussi notre zone de stockage d'armes. Voilà, donc petite zone qui va nous permettre de stocker des katanas et autres guns en tout genre, fusil d'assaut, sniper, pour s'amuser et le récupérer pendant les fights. Donc voilà. Non, il me semblait que j'avais. Ça, c'est pour fermer la porte. Fermer la porte, on ne peut pas ouvrir la planque. Ça, c'est la fameuse planque hein, où on peut stocker des objets. Donc voilà, si je décide par exemple de ne pas garder tous mes vêtements, je peux décider de stocker ça. Et ce stockage-là est disponible partout où je vais dans mes. Comment dire? Dans mes coffres, etc. Donc il y a ce que je me trimballe sur moi avec un nombre de slots ici présent de 40 sur 200, donc je peux transporter 200 objets max. Et derrière, ça c'est tout ce que je pourrais récupérer
dans mes voitures, si j'ai, enfin, dans ma voiture ou dans différents entrepôts, quand j'irai. On a aussi, j'ai vu ça dans les consommables, qu'on peut récupérer aussi à gauche à droite, des statues hydratées qui permettent d'augmenter l'endurance. On en a d'autres qui réduisent la précision et la vitesse de déplacement du whisky. Il y en a qui augmentent la santé maximale de 5% et la génération hors combat. On a pas mal de petites choses à gauche à droite. Donc voilà. Qui voilà là qui c'est de l'alcool qui réduit la vitesse de déplacement et la précision. On est bourré. Voilà, donc des objets qu'on va pouvoir prendre au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, ça aussi, ça me fait marrer. Donc, on peut tester. J'ai perdu mes cheveux. Où sont mes cheveux? Ou alors c'est ma casquette qui s'affiche pas. Donc, on peut faire des. Il est un peu flippant. Voilà. Un sourire extrêmement bizarre. Non, mais en tout cas, je trouve que les expressions sont plutôt sympas. Et donc voilà. Bon, la musique me saoule. Désactiver. Tais-toi. Voilà. Voilà. Et puis on a une vue. Franchement, la ville est magnifique. Cette ville est magnifique. Regardez-moi ça. J'ai l'impression qu'on est un peu. Ça donne une impression. Je sais pas. Bon, j'ai jamais été à New York, hein, mais j'ai l'impression que voilà, c'est un New York futuriste avec des panneaux. Un peu. Enfin, New York ou un peu Tokyo, ce genre de villa très peuplée, avec pas mal de panneaux lumineux, de publicité à gauche à droite. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. Et je trouve ça super cool. J'aime bien l'ambiance. Je la trouve super sympa. Donc voilà, petite ambiance sympathique ici présent et notre fenêtre, on voit tout ceci. Rien d'autre. Je vérifie quand même si j'ai fait le tour de tout ou pas. Mais voilà, bon, on a des toilettes, la douche ici. Alors, je m'attendais à ce qu'ils se douchent tous nus. Et ben non, il se douche habillé, cet andouille. D'ailleurs, j'ai pas mis de casquette, je l'ai enlevé ma casquette, c'est chelou. Inventaire. Ouais, j'ai ma casquette, c'est peut-être pour ça que. Si j'enlève ma casquette. Alors non. Est-ce que je peux enlever la casquette ou pas? Voilà, déséquipé. Voilà, normalement j'ai cette patte-là. Alors est-ce que c'est un bug d'affichage? Parce qu'il y en a encore pas mal, hein, des bugs malgré la montée de version. Voilà, là j'ai bien ma tête avec ma coupe de cheveux. Et du coup, on peut faire une grimace. Voilà, en mode pas content. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que la tête. Regardez, les yeux bougent et la tête bouge avec la caméra. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà. Donc hop, on ferme ça. Petit miroir. On va revenir dans l'inventaire. On était quoi? Voilà. C'était ça, ici. Et on va remettre la casquette. Donc voilà, donc c'était un petit tour plutôt simple. C'est plutôt complet. J'avais pas pris le temps de m'occuper de ça. Ah oui. Aussi, chose intéressante. On a un ordinateur et on a accès à pas mal de choses. J'ai vu quelques messages plutôt sympathiques. Donc on a aussi des nanogels agrandisseurs de pénis. Voilà, je trouve ça juste génial. Les petits clins d'œil. Pour celles et ceux qui savent de quoi je parle dans leur boîte mail, des spams, etc. Et ben voilà, ils se s'en sont inspirés. On y a le droit aussi ici. Puis après, des trucs de malware, etc. Des trucs standards. Et on a le net. Et ici, on a quelques chaînes. Alors, j'ai pas encore été. Je n'ai pas surfé sur le net voir ce qu'on y trouvait. Mais on a des guides. On a des news. La mairie, la police. Enfin, voilà, des trucs sympathiques. Et retrouve, pardon, à peu près la même chose à la télévision. On peut se poser devant la télé. Voilà, on peut s'asseoir ici. Alors, on s'assoit très bizarrement, en fait. Et on peut regarder la télévision, qui est juste là. Et du coup, regarder les news et autres, changer de chaîne. Donc, voilà, on a des trucs.
Voilà, old food. Voilà, des trucs de super bouffe qui te fait exploser la tête. Ouais, on va skipper ça. Ça, c'est juste des pubs. Voilà, d'accord, très bien. J'ai peur de ce que je peux voir sur ces publicités et cette chaîne de télé. Donc, on va éteindre ça. Et du coup, bah, on va se lever. Et donc, je pense qu'on a fait, on a fait un peu le tour de tout ça, là, de l'arbre de compétences, etc. Et que, on va aller se coucher pour poursuivre la mission. Alors, on peut aller dans dans la chambre. On a un livre ici, c'est quoi? C'est. J'ai un short. Comment ça, j'ai un short? Je dis que je voulais un pantalon. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? J'ai un short. Ah, j'ai plus rien. Très bien. Je vais te voir censurer ça aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Bah oui, mais quelle idée de se balader à poil aussi. Voilà. Donc du coup, en fait, ah, il faut que j'aille. Donc c'est. Voilà. Et donc là, voilà. Là, je suis habillé avec mon pantalon. Et donc du coup, on va pouvoir aller se coucher. Merci encore pour ces jolis moments à censurer. C'est toujours génial. Je me méfie parce qu'à chaque instant, voilà, ça peut très mal se passer. Voilà. Du coup, moi, je vais aller me coucher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas de celle-ci. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous souhaitez être notifié des sorties un peu aléatoires de mes vidéos Cyberpunk. Moi, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.